Peu importe mon bagage, on m'a tout de suite dit que j'avais pris la bonne direction. Et maintenant que je forme les jeunes conducteurs de bus, c'est à mon tour de le leur dire. Ahmed, 40 ans, conducteur de bus à la RATP depuis 2019. Un jour, j'étais à mon balcon, je voyais plein de bus qui passaient par là, qui habituellement ne passaient pas par là. Et ça m'a fait titre, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Voilà exactement ce que je me suis dit. Je suis rentré à la RATP en 2019. Quand on passe automatiquement, on appelle hors ligne, ça veut dire on fait plusieurs lignes du dépôt. En 2020, j'ai choisi la ligne 128 pour faire uniquement 128, ce qui ne m'empêche pas de changer de ligne de temps à autre. En à peine une année, je suis passé ambassadeur de ligne. Et tout de suite après, l'année qui a suivi, je suis passé machiniste receveur expérimenté, ce qui veut dire que je peux former les jeunes agents à mon métier, à ma ligne. Ça fait partie de notre métier, accueillir le voyageur. Souvent, on me dit merci, merci d'être là. Parce que ça leur facilite, surtout à certaines personnes d'un certain âge, ça leur facilite leur quotidien. On se sent utile au volant d'un bus. On est bien entouré, que ce soit à la radio, au terminus, à l'équipe RH, tous les encadrants, ils sont toujours là en cas de besoin. On n'est jamais seul. Je suis heureux d'être conducteur de bus. D'ailleurs, j'incite quiconque qui veut rejoindre les RATP. C'est un beau métier dans une belle entreprise.